Eh bien, bienvenue à la dernière session de notre série « Les fondations fermes » et celle-ci s'intitule « La vie éternelle ». Nous nous sommes penchés sur le modèle des termes saints qui étaient souvent utilisés par l'équipe des apôtres dans leurs écrits, dans leurs enseignements, afin d'édifier le corps de Christ. Et nous ne pourrions pas clore cette série sans nous pencher sur ce terme de « vie éternelle ». C'est un mot-clé. Jésus, par l'effusion de son sang, la Bible nous dit, a obtenu pour nous la rédemption éternelle. Et certaines personnes se lancent dans le débat. Croyez-vous qu'une fois sauvés, nous sommes toujours sauvés? Vous avez probablement eu cette discussion vous-même. Et certaines personnes ont fait ressortir des textes qui semblent le soutenir. Et d'autres font ressortir d'autres textes qui semblent s'y opposer. Eh bien, ils ne peuvent pas dire ni ceci, ni cela, sinon la Bible se contredit elle-même. Et pourtant, la Bible ne peut le faire. Nous avons besoin d'aide pour voir comment la Bible s'harmonise et comment, en fait, elle intègre le tout ensemble. Et j'aime bien répondre à cette question en disant, je ne vois pas nécessairement les choses de cette façon. Une fois sauvé, toujours sauvé. J'aime mieux dire, une fois fils, toujours un fils. Nous sommes nés de nouveau, on ne peut pas ne plus être né. Il n'y a aucun concept dans les Écritures qui dit que si nous faisons certaines choses ou si nous nous comportons d'une certaine manière, nous sortirons de Christ et nous serions baptisés une nouvelle fois d'une manière ou d'une autre en Adam. L'expression « être baptisé en Adam », vous ne la trouverez jamais là. Le sens du concept est « non, nous sommes morts à qui nous étions en Adam, nous avons été enterrés avec le Christ, ressuscités encore et maintenant nous sommes baptisés en lui et nous sommes vivants en lui, nous avons la vie éternelle ». J'ai fait une série sur ce sujet appelée « Le salut est éternel ». Et la première session s'intitulait « Quelle partie de la vie éternelle tu ne comprends pas ?» C'est éternel, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas conditionnel. C'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Bon, nous savons que, comme les enfants d'Israël dans le désert, les chrétiens peuvent errer et ne pas vraiment entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour eux. Ils vivent en dessous de leurs privilèges et ils sont pris dans le péché. Ils vivent parfois même dans la servitude du péché. Ils vivent selon la chair. Ce sont des images et des réalités de la vie chrétienne et certaines personnes vivent de cette façon. Mais une des choses que nous voyons dans les Écritures, c'est que quoi que les enfants d'Israël aient fait, Dieu ne leur a jamais permis de retourner en Égypte. L'Égypte est une image de l'ancienne vie. Ils voulaient y retourner, vous vous souvenez? Ils allaient même nommer un chef et y retourner. Mais non, cela aurait brisé le plan. Il n'y a pas de retour en Égypte. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de retour en Adam. Il n'y a pas de retour dans la mort, pas de retour à la condamnation. Nous sommes donc éternellement en sécurité. Et je soutiens cela pour trois raisons. La première est que nous sommes éternellement en sécurité à cause du Père. Nous avons passé un peu de temps à étudier Romains, qui est le meilleur livre de la Bible, pour comprendre notre salut. C'est l'aperçu le plus complet de la doctrine du salut que l'on puisse voir n'importe où dans les Écritures. Et dans le premier chapitre de Romains, Dieu est considéré comme notre juge. C'est quand nous étions en Adam dans notre péché. Nous nous tenions devant un Dieu saint et la Bible dit que la colère de Dieu est révélée contre l'impiété et l'injustice. Nous nous trouvions donc dans une très très mauvaise position. Nous étions condamnés à recevoir la colère de Dieu. Mais nous voyons alors bien sûr qu'il a exécuté le jugement total pour nos péchés sur son Fils en accord total avec la justice. Il a accompli toute la justice. Donc, maintenant, à cause de cela, nous ne serons jamais jugés pour le péché. Et Jésus a dit cela. Il dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et n'entrera point en jugement, mais est passé de la mort à la vie éternelle. » Bon, c'est très clair, c'est emphatique, c'est tout absolu. Vous croyez en moi, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous ne serez pas jugé pour le péché. Pourquoi? Parce que votre jugement a déjà eu lieu à la croix. Il nous faut donc comprendre ce concept que nous avons été amenés hors du tribunal dans lequel nous étions. Nous étions devant un Dieu saint dans notre péché, mais à cause de Jésus, nous avons été amenés hors du tribunal. Nous n'avons plus cette relation de jugé, accusé avec Dieu maintenant.
Nous avons été amenés dans la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Nous avons passé une session entière à parler de ce que cela signifie d'être fils de Dieu et d'avoir une relation intime avec notre Père céleste. C'est ainsi que Paul dit ce qui suit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous avons vu dans la dernière session, Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur envers lui, la peur d'être jugé et puni. Vous n'avez pas reçu à nouveau cet esprit. C'est ce que nous avions. Nous avions toutes les raisons d'avoir peur et de nous attendre au jugement parce que nous étions en Adam. Nous étions dans notre péché. Mais vous n'avez pas reçu l'esprit pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un autre esprit, l'esprit d'adoption dans la famille de Dieu par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoignant à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons donc comprendre que notre salut n'a pas commencé avec notre décision de suivre Christ. C'est beaucoup plus grand que ça. Cela s'étend d'éternité en éternité. Regardons maintenant cela dans Romains chapitre 8, verset 29. Cela commence dans le passé éternel, avant même que ce monde ne soit créé. La Bible dit qu'il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Ça, c'est époustouflant. Nous ne comprenons pas la plénitude de tout cela, mais regardons cinq mots ici. Le premier mot est le mot « connu d'avance ». Car ceux qu'il a connus d'avance, qu'il connaissait d'avance. Et comme je viens de le dire, c'était avant la fondation du monde. Ce mot « connu d'avance », beaucoup de gens essaient de l'édulcorer et de lui faire dire que Dieu savait à l'avance qu'il prendrait une décision pour lui. Non, ça ne veut pas dire cela. C'est en fait un mot beaucoup plus riche que ça. Quand la Bible parle de connaître quelqu'un, elle parle d'une relation intime. Adam connaissait sa femme Ève. Dieu a dit à Israël, « Je n'ai connu que vous de toutes les nations de la terre. Ne connaissait-il pas les Égyptiens? Ne connaissait-il pas les Assyriens? Ne connaissait-il pas les Babyloniens? Bien sûr que si. Ce qu'il dit, c'est que vous êtes ceux que j'ai pris, ceux que j'ai choisis. Vous êtes ceux que j'ai décidé d'aimer intimement. Et ainsi, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, non seulement il nous a choisis, mais il avait un but pour nous avant même que nous soyons nés, et c'est que nous soyons conformes à l'image même de Jésus. Et puis, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et de plus, ceux qu'il a prédestinés, puis nous arrivons au troisième mot, il les a aussi appelés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il nous a envoyé quelqu'un pour nous prêcher l'évangile, sinon nous n'aurions jamais entendu parler de lui. Voyez, c'est là qu'on est impliqué, n'est-ce pas? Il s'est passé des choses avant que nous ne prenions notre décision, ou plutôt, expliquons-le ainsi, avant que nous croyions en Jésus. Dieu a fait certaines choses. Dieu nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être conformes à l'image de Christ, puis il nous a envoyé quelqu'un pour nous prêcher l'évangile, pour nous appeler à lui par l'intermédiaire de l'évangile, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ce qui signifie déclarer juste. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous entrons maintenant dans l'éternité future, si je peux utiliser ce terme. Nous attendons avec impatience d'être glorifiés devant Dieu, dans nos corps glorifiés. En ce qui concerne Dieu, cela s'est déjà produit dans son esprit. Dieu vit hors du temps, n'est-ce pas? Et dans son esprit, son entendement, c'est un fait accompli. Ce n'est pas conditionnel de notre sanctification ni de notre comportement. Il saute délibérément de la justification à la glorification pour que nous voyions que c'est une œuvre de Dieu. Nous sommes éternellement en sécurité à cause de toutes ces choses que Dieu a faites pour nous. Et nous ne devons pas commettre l'erreur de comparer Dieu à nous-mêmes. C'est de l'idolâtrie, rabaissant Dieu jusqu'à notre niveau, le faisant à notre image. Il y a un verset incroyable où Dieu dit à Israël, « Une femme peut-elle oublier son enfant, qu'elle abandonne son enfant qu'elle allait ?» Puis il dit, « Elles peuvent peut-être oublier. » Parfois, on entend ces histoires où une mère a abandonné son enfant, peut-être sur un pas de porte quelque part, et c'est tellement incroyable que cela fait la une des journaux. Ces choses arrivent. Elles arrivent dans la race humaine, mais c'est rare. Mais Dieu dit, « Je ne ferai jamais ça, ne me dépeignez pas comme ça, je ne vais pas vous abandonner. »
Vous êtes mes enfants. Elles le feront peut-être, mais moi, je ne le ferai pas. Ne me rabaissez pas à ce niveau. Et il fut un temps dans l'histoire d'Israël où l'un des rois, est-ce que c'était le roi Moab, envoya chercher Balaam pour maudire Israël. Vous souvenez-vous de cette histoire? Et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour maudire, la bénédiction n'arrêtait pas de sortir parce qu'il ne pouvait pas maudire qui Dieu avait béni. Et il essaya d'amener Balaam à changer la vie de Dieu. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?» En d'autres termes, Dieu a fait des promesses à son peuple. Pensez-vous que Dieu va rompre sa parole, va revenir là-dessus? Non. Ne ramenez pas Dieu à notre niveau. Nous serions capables de le faire. Nous pourrions ne pas tenir nos promesses. Mais Dieu n'est pas comme ça. Nous sommes éternellement en sécurité grâce au Père. Nous devons donc penser selon la révélation de la Bible, pas la raison humaine. Nous essayons de raisonner ces choses, eh bien, si vous faites ceci, alors Dieu va faire cela. C'est un raisonnement humain. Revenons à la révélation. Laissons Dieu parler pour lui-même, dire ce qu'il fera et ce qu'il ne fera pas. Et cela nous mènera à des conclusions correctes. Et nous voyons Paul faire cela à la fin de son enseignement ici, dans Romains chapitre 8. Jetons rapidement un coup d'œil sur cela. Je sais que vous connaissez bien ce passage. Mais au verset 31, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Ok, il en arrive à la fin, après 8 chapitres de son enseignement sur le salut, il dit, « Bon, je vous ai amené tout cela, je vous ai montré à quel point Dieu vous aime, ce qu'il a fait pour vous en Christ. Alors, qu'est-ce que vous allez dire de tout cela ?» Quelle est votre réponse à cela ? Puis il dit ceci, « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Il est pour vous, pas contre vous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui va vous pointer du doigt quand c'est Dieu lui-même qui vous a justifié, qui vous a déclaré juste? Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dieu a commis tout jugement à son Fils, donc celui qui va vous juger et celui qui vous a sauvé. Va-t-il nous condamner alors qu'il est mort sur la croix pour nous? C'est ridicule quand on pense à ça. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, etc., etc.? Et puis il dit au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est un absolu, n'est-ce pas? Il a couvert tous les angles. Il a dit que rien de créé, rien de passé, rien de présent, rien dans le ciel, rien sous la terre, rien, nulle part, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. À la fin, bon, moi j'en suis persuadé. Êtes-vous persuadé? Je suis persuadé que nous sommes éternellement en sécurité grâce au Père. Mais deuxièmement, j'en suis persuadé, à cause du Fils. Voyez-vous, nous avons été livrés à Christ par le Père pour qu'il nous garde en lieu sûr. Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi en aucun cas. » C'est une belle promesse, et notez qu'il est écrit « en aucun cas ». Donc, peu importe quel argument les gens pourraient rapporter, mais qu'en est-il de ceci? Mais qu'en est-il de cela? Mais qu'en est-il si cela se produit? Non, en aucun cas. D'accord? Ça comprend donc tout. Celui qui vient à Jésus, il n'y a aucun moyen pour qu'il ne soit jamais expulsé. Je me souviens que lorsque j'ai été sauvé au début, l'homme qui m'a conduit au Seigneur a pris une pièce de monnaie et l'a mise dans sa main et il a cité cette écriture. Il a dit, « Ta vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Il a dit, «
tu es doublement emballé. Vous en faire sortir? Qui va vous en faire sortir? Ta vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ce que Paul a bien sûr dit aux Colossiens. Et Jésus a dit lui aussi, je leur donne la vie éternelle. Et elles, les brebis, ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Encore une fois, ce sont des absolus. Personne ne peut nous enlever de cet endroit d'une sécurité incroyable que nous avons en Christ, en Dieu, doublement emballé. Je raconte une histoire que j'ai entendue à l'époque de l'esclavage, quand une femme esclave chrétienne parlait à sa maîtresse qui était aussi chrétienne, et cette femme esclave croyait en la sécurité éternelle. Il a cité cette écriture qui dit que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, que personne ne peut nous arracher de sa main. Et la maîtresse dit à la femme esclave, et qu'arrive-t-il si nous choisissions de sortir de sa main? Que se passe-t-il si nous choisissons nous-mêmes de nous retirer de ses mains? Et elle répondit, « Oh, vous ne comprenez pas, je ne suis pas dans sa main, je suis un doigt de sa main, je suis uni à lui, je suis une partie de lui. » Quelle perspicacité incroyable! Cette femme avait compris, c'est ce qui s'est passé. Spirituellement, nous avons été baptisés en Christ, nous sommes le corps du Christ. Nous ne sommes pas comme un corps. Le Christ a un corps et nous sommes ce corps. Et Paul dit, vous êtes maintenant le corps de Christ et des membres individuellement ou en particulier. Et donc, si nous pouvions périr, cela signifierait que des parties du corps de Christ seraient démembrées, mutilées. Pouvez-vous imaginer Jésus allant dans l'éternité avec des doigts manquant dans son corps, des yeux arrachés, des oreilles qui manquent et des membres arrachés? Voyons, c'est grotesque d'y penser. Il va y entrer dans ce corps parfait qui est complet et entier parce que nous sommes ce corps. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est un absolu. Quand vous regardez ce mot en grec, il signifie pas aujourd'hui ni demain, en aucune circonstance, jamais. Il n'y a pas, absolument pas, de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Voici maintenant un autre argument que Paul avance. J'adore ça. Pardon. Retournons vers Romains chapitre 5, verset 8. Il dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Réfléchissez à cela pendant une minute. Quand Jésus est-il mort pour vous? Quand vous étiez un pécheur, quand vous étiez son ennemi, quand vous étiez en rébellion contre lui, quand vous étiez hostile à Dieu, quand vous étiez dans votre nature adamique, dans votre état le plus pire, Jésus est mort pour vous. Puis il poursuit en disant, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Nous sommes baptisés en Christ et sa vie est maintenant notre vie. » Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? La vie de Christ. Combien cela est beau! Non plus ces gens qui étaient ennemis, alors que même dans cet état, il a fait tellement plus pour nous. Il nous a donné Jésus. Combien plus? D'une certaine manière, nous pensons que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Et ensuite, si nous faisons une bourde quelconque, si on fait une erreur, si nous tombons, c'est fini, vous êtes dehors. Tout cela était en vain. Tout le travail de la croix n'a servi à rien parce que nous avons défait ce que Jésus a fait. Non, non, nous n'avons jamais fait ce que Jésus a fait, alors nous ne pouvons jamais faire ce que Jésus a fait. Tout ça, c'est le travail de Dieu. Il nous a livré à Jésus pour qu'il nous garde en sécurité. Mais troisièmement, je crois que nous sommes éternellement en sécurité grâce au Saint-Esprit. Et la Bible enseigne ceci, que lorsque nous avons été sauvés, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Cela garantit notre sécurité jusqu'à ce que Jésus nous amène avec lui. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, Paul enseigne ceci. Il dit, « En lui, vous aussi,
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quel beau passage! Quand vous avez cru, Dieu a scellé votre vie. Maintenant, quand vous scellez quelque chose, vous le sécurisez, d'accord? Nous avons donc été scellés par le Saint-Esprit et c'est la garantie de notre salut. Il est avec nous tout au long de notre voyage. Il est dit ici, jusqu'à la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, jusqu'à ce que Jésus revienne pour réclamer pleinement ce qu'il a déjà payé. Il a payé pour nous. Nous sommes à lui. Un jour, il a dit, « Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et donc, jusqu'à son retour, nous avons été scellés pour être gardés en sécurité par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, un sceau est en fait une attestation de propriété. Je me souviens que, pendant des années, je me suis demandé quand Jésus reviendra et prendra son peuple. Comment saura-t-il qui sont les siens? Des milliards de gens. Et il va prendre celui-ci, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, pas celui-ci. Comment le sait-il? J'avais l'habitude de penser qu'il y a peut-être un test. On va vous poser certaines questions et avec plein d'espoir, nous répondons correctement à toutes les questions. Vous savez, ces blagues quand on entend « quand tu mourras et que tu arriveras aux portes du paradis et que Pierre » te posera cette question-ci et cette question-là, nous avons ces concepts dans notre esprit. Est-ce que c'est comme ça qu'il va savoir? Non! Le Saint-Esprit habite dans chaque personne qui appartient au peuple de Dieu. Dieu lui-même vit en nous par le Saint-Esprit. Et c'est une attestation de propriété qui dit que nous lui appartenons. Et plus encore, un sceau est aussi un gage d'intention. C'est comme des arts. En fait, la Bible se sert de ce mot « ar » ou une bague de fiançailles serait notre équivalent. Tournons-nous vers 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Si vous allez quelque part dans un magasin et que vous voyez un article qui vous plaît, vous n'avez pas tout l'argent nécessaire pour l'acheter, mais vous voulez le sécuriser, que faites-vous? Vous versez un acompte et ça veut dire que personne d'autre ne peut le prendre. C'est à vous. Vous allez revenir et payer le solde, puis l'emporter avec vous. Il est à vous. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu nous avait donné l'acompte. Personne ne peut vous toucher. Vous êtes à moi. Attestation de propriété. C'est comme le reçu. Non, celui-ci est pris. Il a déjà été réclamé. J'ai donc l'illustration que lorsque Marianne et moi sortions ensemble, je vivais en Écosse à l'époque. Je m'occupais de ma première église en Écosse. Elle vivait en Suisse, qui était à 1000 km de là. Et j'étais fauché, je vous l'ai dit. Dans ma première église, j'étais payé 12 livres sterling à la semaine, s'il y avait 12 livres cette semaine-là dans l'offrande. Et d'habitude, il n'y avait pas ça. Je me souviens une fois que j'avais 3 semaines de retard dans mon loyer et je n'ai pas été payé et que je suis allé demander au trésorier, « Y a-t-il une chance que je reçoive un salaire cette semaine ?» Et il m'a dit, « J'avais peur que vous me posiez cette question. » C'était comme ça à l'époque. Mais malgré tout, nous avons rassemblé assez d'argent pour acheter une bague et nous fiancer. Et quand j'ai placé cette bague de fiançailles sur le doigt de Marianne, j'ai déclaré ceci, même si nous sommes à des milliers de kilomètres, il n'y avait pas de textos ni de mails à l'époque. On écrivait une lettre, il fallait vraiment lécher un timbre et le coller, puis envoyer la lettre. Cela prenait une semaine pour arriver. Il fallait ensuite attendre encore une semaine pour que ça revienne. Et c'est comme ça que ça se passait à cette époque-là. Les choses ont légèrement changé. Mais avec cette bague, j'ai fait une promesse. Mon intention est de venir un jour en Suisse et de t'épouser. Et je te ramènerai avec moi au Royaume-Uni. Et nous serons ensemble pour toujours. C'était il y a plus de 40 ans. Et c'est ce qu'est une bague de fiançailles. C'est une déclaration qui dit « Tu es à moi ».
et j'ai des intentions et nous allons être ensemble pour toujours et tels sont nos plans. Et c'est ce que l'Esprit Saint est pour nous. Il est le sceau de l'intention de Dieu envers nous. C'est une preuve qu'il nous possède, qu'il nous a rachetés avec un prix à qu'un jour Jésus reviendra et qu'il reviendra pour nous prendre pour que nous soyons avec lui et nous serons avec lui pour toujours. Il est allé nous préparer une place, il est parti pour nous recevoir afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Nous sommes donc scellés, la Bible dit, jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour du retour de Christ. Paul dit donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. C'est une personne. Il a des sentiments. Il nous aime. Il veut faire un travail en nous. Il nous change comme nous l'avons vu. C'est lui qui est en train de nous changer. Et parfois, par notre comportement, nous pouvons l'attrister. Mais il ne nous quittera jamais. Il dit, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Il est avec nous. Il nous a scellés. Il porte témoignage à qui nous appartenons. Et il sera avec nous jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous ramène au ciel pour être avec lui. Je crois donc que l'amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés. Que cet amour est un amour éternel. C'est un amour pour toujours. Cela n'aurait pas de sens si Dieu avait fait tout ça et que tout cela s'effondre, que cela s'épuise tout simplement et que nous soyons perdus pour l'éternité à cause d'une erreur ou d'un mauvais comportement de notre part. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Le salut est du Seigneur. Et quand nous arriverons au ciel, la Bible dit que nous allons magnifier la grâce de Dieu. Nous allons glorifier sa grâce pour toujours. Il n'y a pas à se vanter, il n'y a rien dont nous puissions nous vanter en ce qui nous concerne, de ce que nous avons fait. Une fois, j'ai prêché un message, le titre était « Il n'y a pas de félicitations au ciel ». Nous n'allons pas nous approcher de Jésus en disant « Nous l'avons fait ». Tous les anges se retourneraient et diraient « Excusez-moi, excusez-moi, c'est lui qui l'a fait tout par la grâce. C'est lui qui a commencé ce bon travail. » C'est lui qui va le rendre parfait et qui va l'achever. Et il sera magnifié éternellement pour cette grande œuvre de notre salut. Amen.